Viens me rejoindre sur Instagram, c'est Carlota Biker. Et en plus, je fais gagner des iPhones. Non, je rigole, juste les photos sont jolies. Putain, ça fait du bien. Journée de travail terminée. Et tu vois, je suis en train de penser à un truc, c'est que quand je finis le travail, je suis content de rentrer chez moi. Pas spécialement pour rentrer chez moi, mais parce que je sais que je vais faire de la moto. Tu vois, quand je termine le travail et que je suis en voiture, bon, bah, je rentre à la maison, c'est tout, quoi. Je rentre à la maison en voiture. Alors que quand je finis le travail, que je rentre chez moi et que je suis en moto, eh ben, je vais faire de la moto. Ça n'a rien à voir. Franchement, la moto, c'est pas du tout un moyen de locomotion. C'est plus un jouet, un plaisir. Ça fait un bien. Je me sens tellement bien quand je veux monter dessus. Je suis trop content. Comme un bébé. Si toi, tu kiffes quelque chose, eh ben, je te dis, à la fin de ta journée de travail, bah, tu vas pouvoir faire ce que tu aimes. Eh bien, voilà. C'est ce que je fais. J'ai eu une journée de travail horrible en ce moment. C'est la course. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et c'est vrai que je suis fatigué. Et là, je suis trop content de rouler. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Thank you. Yeah. Nickel. Allez, on grille le feu. Allez, les cyclistes, on grille le feu. Et après, on vient cracher sur les motards. Tout ça pour s'arrêter 20 mètres plus loin. Allez-y. Et il n'y a pas de petits panneaux pour les autoriser à avancer. Hein. Donc, ouais, voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont grillé le feu. Bravo. Bravo, les cyclistes. Et moi, je roule à 57 km/h. Waouh. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. En ce moment, avec le coronavirus, je crois que c'est la merde complète dans tout le monde. Et là, je le remarque en Ile-de-France, à cette heure-ci, normalement, ça devrait être énormément bouché. Je devrais faire que de l'interfile. Et là, c'est pas trop dégueulasse, quoi. Donc, vraiment, les gens, ils restent chez eux, ils évitent de sortir. C'est hallucinant. Moi, je pensais que les gens allaient arrêter de prendre le métro, parce que vraiment, le métro, je trouve que c'est le pire endroit pour se protéger d'un virus. Mais et du coup se rabattre sur la voiture, je crois que les gens ils ont préféré vraiment ne rien faire. Je crois qu'il y a aussi la facilité de pouvoir dire je reste à la maison parce que j'ai peur. Je crois que t'es quand même payé ou un truc dans le genre. Donc beaucoup de personnes doivent jouer là-dessus. Si j'étais employé, bien sûr que j'aurais joué là-dessus. Rester à la maison sans que ce soit des congés payés et que je sois payé et que personne ne m'engueule, bien sûr j'en aurais profité. Alors là, vous auriez pu compter sur moi. Ok, pause. À cette heure-ci où je fais le montage de la vidéo, on est au jour 16 du confinement. Mon seul rêve, c'est de pouvoir retourner au travail. J'en peux plus. Et donc du coup, là, c'est vraiment très très vide. Ah. Un rond-point, ça se prend de ce sens-là, mon frérot. Ah, mais oui, t'es en vélo. Tu peux faire ce que tu veux, bien entendu. Bon là, je sais pas si ça se voit, mais je vous l'ai déjà montré que la moto était dégueulasse. Je vous l'ai même montré sur Instagram. Si vous m'avez pas sur Instagram, rajoutez-moi Carlota Biker. On va aller faire un petit coup de propre parce que là, c'est vraiment la honte. Il y a beaucoup, beaucoup de poussière, de terre et tout ça, et de boue, là, résidus de pluie surtout. En dessous de la moto, c'est vraiment dégueulasse. C'est une honte. Bah quoi? C'est un vrai, non? Allez, prends-le! Voilà. Désirez-vous un reçu? Non, j'ai arrêté la collection depuis avril 2002. Et je veux 5 jetons. Bravo. C'est pas mon reçu, hein, c'était celui de quelqu'un d'autre. Que je vais gentiment remettre là-dedans. Et voilà, tiens, souvenir. 1, 2, 3, 4, 5, toujours compté. Je me suis fait arnaquer tellement de fois. Ok, alors petit tuto, lavage de moto. Petit 1, commencez par les jantes. On va mettre le produit à jantes. Ça, tu le respires. Je pense que tu attrapes le coronavirus. Alors, petit jeton. Marche. Et voilà, super. Ça va te rendre la jante très très propre. Oh, putain, faut aller partout. Comme un bon cuni. Oh! Putain, ne demandez pas du tout à vos parents ce que je viens de dire, ce que ça veut dire. Faites comme si de rien n'était, passez la vidéo, on passe un bon moment. Hop là, allez, dans les coins,
les coins, c'est... Le point G. Le point G, madame. Ok, on passe à l'avant. Hop là. Hop là. Attends, j'aurais tellement aimé être sur ma béquille d'atelier. Ça aurait été bien mieux. Tu vois, ça c'est vraiment que avec le produit, tu vois déjà qu'il y a écrit MT10 alors qu'on le voyait plus. Je suis pas en train de vous vendre un produit, hein, c'est pas ma station essence, enfin ma station de lavage plutôt. Ok, donc ça, c'est Bruno. Maintenant, on va prendre le pré-lavage. Pré-lavage, c'est la frappe. Ça va commencer à mousser de partout. Oh, oh merde. J'en ai foutu partout, mais quel con. Allez, après avoir été dans tous les coins... Vous lâchez la sauce. Voilà. J'ai toujours voulu avoir un covering blanc. Oh putain, je suis en fin d'érection. Comme à notre habitude. En fait, ceux qui m'ont pas sur Instagram, vous me connaissez pas du tout. Vous savez pas que je suis un grand artiste. Et maintenant, Carlotta Biker. Bref, je rigole. On va remettre une pièce. Les enfants, cette vidéo, elle n'est vraiment pas faite pour vous. Hein. Allez, on continue. Round de tout. Il y a toujours un round de tout. Tu vois, après la petite sieste, après la petite clope, après le petit sandwich. T'as le round de tout après le sandwich, mon Dieu. Celui-là, il vaut de l'or. Putain, c'est vraiment le même que le mien. Hein. Sauf qu'il a pas les jantes noires, lui. Il a pas le covering. Je vous voyais venir dans les commentaires. Putain, des fois, est-ce que vous m'avez l'air débile? Mais je vous aime, hein. Ça donne la preuve, je continue à faire des vidéos. Mais vous m'avez l'air débile. Oh, moi, je dis ça, je rentre pas en dessous le câble. Alors, faut aller en dessous. En dessous, c'est là où toute la merde vient s'incruster. Oh, cet échappement. J'hésite à le changer. Je l'aime, tu vois, il est beau. Et en plus, il est sur aucune autre MT10. Mais si je change, l'autre apparemment il gueule encore plus. Donc gueuler plus fort, est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi-même, je ne crois pas. Pour mon permis, je ne crois pas. Pour mon argent, je ne crois pas. Mais pour vous, je pense que ça peut vous faire plaisir. Donc mettez-moi en commentaire si je change cet échappement ou si vous l'aimez bien. Moi je l'aime bien, surtout qu'on le voit jamais. Ça va me taper tout dans la gueule. J'espère vraiment que... Non, je pense que la GoPro est proche. Là, je pense qu'on est bon. Hein. Là, je pense qu'on est bon. Il me reste encore... Putain, il me reste encore beaucoup de temps. J'ai envie de laisser agir. Donc après le lavage, quand tu rentres à la maison, tu graisses ta chaîne, mon chéri. Et après, tu laisses ta moto se reposer toute la nuit. Enfin, la moto, la chaîne. Faut laisser la moto reposer 2 heures après l'avoir graissée. Je pense, j'ai déjà lu ça et je le fais. Et ça s'est toujours bien passé sur toutes les motos que j'ai eues. Donc je continue à le faire. Je pense que là, j'ai fait 8000 tours de la moto. J'en suis à un marathon et demi de tours de moto. Allez, putain. Là, il est bien ce car wash. Il est à Rony. Ne me demandez pas d'adresse, je sais pas, je sais venir, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est bon, il m'a cassé les couilles. Ah, ça y est, on est en fin d'érection. Encore un peu. Encore un peu, Monique. Oh, désolé pour l'œil. J'adore cette vidéo, je suis trop fier de moi. Et là, on fait ça tous les mecs, on se retourne, on prend notre téléphone et on s'endort. Je laisse un peu reposer et on va passer à l'étape.
rinçage, qui sera la dernière étape du lavage de cette moto. Il était vraiment temps de lui mettre un petit coup de propre à celle-là. Et bien entendu, aucun lavage ne vaut sans mon art. Donc, voici, et ma signature, CB, pas comme carte bleue, mais comme Carlotta Biker.